Seigneur, que chacun d'entre nous diminue et que toi seul grandisse. Que chacun d'entre nous disparaisse afin que toi seul apparaisse. Que la gloire ne revienne qu'à toi seul. Ô Seigneur, seul ton esprit peut accomplir cela en nous et au milieu de nous. Que le nom de Jésus soit élevé. Que Jésus seul soit vu. Amen. Que lui seul soit glorifié. Merci de nous avoir acceptés dans ta présence. Merci de nous avoir conviés ici pour nous témoigner ton amour, pour nous prodiguer tes soins les meilleurs. Mais aussi et surtout pour nous communiquer ta parole qui est la vérité. Nous voulons la recevoir avec foi, nous voulons la recevoir avec joie, nous voulons la recevoir en te promettant de la mettre en pratique. Seigneur, mets chacun d'entre nous dans les meilleures dispositions pour entendre la voix du Saint-Esprit. Je ne suis qu'un instrument, Seigneur. Coule au travers de moi pour toucher chaque cœur en ce lieu. Je t'en prie. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, bienvenue dans la présence de notre Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour le miracle de ce 4. Il faut qu'on se le dise souvent pour que nous n'ayons pas l'impression que c'est normal ce qui nous arrive, n'est-ce pas? Ce n'est pas normal, c'est la grâce de Dieu et nous lui sommes infiniment reconnaissants parce que c'est lui qui pourvoit. Alléluia. Alléluia. Je voudrais saluer la présence d'un aîné dans la foi, dans la vie, dans le ministère. Le pasteur me dit aussi, il peut se lever s'il vous plaît. Sondi est pasteur à l'église des Assemblées de Dieu à Abidjan, communauté des vainqueurs. Il est venu ici pour se reposer. Vous savez qu'il travaille beaucoup là-bas. Et accessoirement, il est le papa de notre frère. Vraiment accessoirement. Il est le papa de notre frère Benjamin. Il fait partie des personnes chez qui nous sommes heureux d'être quand nous allons en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il y a? Je profite, hein? Tant mieux pour toi. C'est bien d'avoir un bon papa. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bonne fête à tous les hommes, à tous les papas en puissance. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors les vertueux, je veux simplement vous dire que vous êtes bénis de nous avoir. Vous pensez que j'allais dire réciproquement? Aujourd'hui, je ne vais pas le dire. Nous sommes aussi bénis de vous avoir. Alléluia. Donc c'est le premier dimanche où nous commençons une autre saison, la saison de la Kabod, la gloire de Dieu, de son poids glorieux en nous. Avant de parler de notre sujet, j'ai ressenti en moi qu'il faut que nous comprenions quelque chose. Alléluia. Amen. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Et c'est ce qui fait toute la différence.
Alléluia. Nous ne pouvons pas aborder les vérités bibliques aujourd'hui avec la mentalité de l'ancienne alliance. Car le Seigneur a dit qu'il ne veut pas mettre du vin nouveau dans de vieilles soutres. Le vin, c'est lui, l'outre, c'est nous. Nous devons nous renouveler, nous adapter, actualiser notre mentalité avec l'Évangile. Et à chaque fois qu'on parle de la gloire, si vous êtes sincère, vous allez voir qu'il est plus facile de parler de la gloire en utilisant l'Ancien Testament. Parce que là-bas, c'est là-bas où il y a eu des événements spectaculaires, n'est-ce pas? Oui. Visiblement spectaculaires. La gloire de Dieu en Israël était visible à travers la nuée, le jour, visible à travers le feu, la nuit. Et quand Moïse descendait de la montagne, son visage rayonnait. On pouvait voir des effets visibles de la gloire de Dieu sur son visage. C'est peut-être à cause de ce genre de choses que nous sommes complexés quand nous nous comparons à Moïse, aux gens comme Élie qui ont fait descendre le feu sur la terre. Et ce complexe nous empêche d'apprécier ce que nous avons reçu. Et lorsque la Bible nous dit que notre alliance, la nouvelle alliance, est supérieure à l'ancienne, nous sommes d'accord parce que c'est écrit, mais au fond de nous, nous nous disons vraiment, est-ce que c'est vrai? Regardez 2 Corinthiens chapitre 3. C'est juste pour nous mettre dans le bain de ce sujet. Mais ce n'est pas de ça que je vais parler aujourd'hui. À partir du verset 5, de Corinthiens 3, à partir du verset 5, Paul nous dit ceci. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, gloire mais passagère, combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? L'ancien était glorieux, c'est incontestable, mais le nouveau est plus glorieux. Verset 9. Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est de beaucoup supérieur en gloire. Plus glorieux et de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, c'est-à-dire que quand on compare sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui était supérieure. C'est-à-dire que ce qui a été glorieux, quand on compare, n'est plus glorieux. Pas parce que ce n'est pas glorieux, mais parce qu'une gloire supérieure est venue. Verset 11. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent, mon Dieu, est bien plus glorieux. Quand on fait le rapport ancienne alliance sur la nouvelle alliance, l'indice doit être inférieur à zéro.
inférieur à 1, je vous le dis, inférieur à 1. Ceux qui font les statistiques comprennent de quoi je parle. Si c'est supérieur à 1, ça veut dire que le numérateur est supérieur au dénominateur. 4 divisé par 2 égale 2, n'est-ce pas? Mais 2 divisé par 4, c'est 0,5, c'est inférieur à 1. Pourquoi? Tant que le dénominateur est supérieur, le chiffre, le rapport est inférieur à 1. C'est ce que Paul est en train de dire. Sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'est plus. Alors, puisque la Bible dit la vérité, nous devons nous arrêter et prier. Paul nous parle de la loi gravée sur des pierres. Et nous parle de la loi de Dieu inscrite dans nos cœurs. Il parle du ministère de la condamnation. Il parle du ministère de la justice. Il parle du ministère de l'Esprit, du Saint-Esprit lui-même. Vous savez, le même Paul nous dit dans Colossiens 1, 27, il dit, Christ en nous, vous ne savez pas ça? Vous ne connaissez pas ce verset? Ce sont des fondamentaux, hein? Avec Jean 3, 16, c'est des versets à connaître. Pas seulement l'intitulé, mais la référence aussi. C'est la fin de Colossiens 1, 27. Il dit, Christ en nous, quoi? Espérance de la gloire. Christ en nous, à l'intérieur de nous, n'est-ce pas? Oui. La gloire de Dieu dans l'Ancien Testament était visible sur le visage de Moïse quand il descendait de la montagne. La gloire était sur son visage. Vous comprenez? La gloire n'est pas sur mon visage, c'est pas grave. Elle est à l'intérieur de moi. Elle est déposée dans mon esprit, dans mon cœur, dans le tien aussi, si tu es en Christ. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est apparent est passager. Ce qui est intérieur est permanent. Amen. C'est ça qui fait la différence. Et Moïse en était tellement conscient lui-même qu'il mettait un voile. Parce qu'il ne voulait pas que les gens voient le spectacle de la diminution jusqu'à la disparition de cette gloire. Cette gloire est en nous. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un le croit? Amen. Cette gloire est en nous. Et Jésus dit que si tu crois, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. Pour voir, il faut croire. Croire en ce qu'il dit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Peu importe ton apparence, si Christ est en toi. Alléluia. Si Christ est en toi, tu peux espérer, tu devrais avoir l'espérance de la gloire. Voici une question que je me pose comme un petit enfant. Quand j'ouvre la parole, je dis, Christ en moi, c'est l'espérance de la gloire. C'est quoi l'espérance? C'est une attente, n'est-ce pas? Puisque Christ est en moi, je peux avoir une attente de sa gloire. C'est-à-dire, Christ en moi, je conçois l'avenir comme quelque chose de glorieux. Je ne peux pas concevoir l'avenir autre moi. Pourquoi? Parce que Christ est en moi dans le présent, de manière permanente, alors je ne peux pas concevoir que demain ne soit pas glorieux. Je ne peux pas concevoir que l'heure prochaine ne soit pas glorieuse. Je ne peux pas concevoir que la minute prochaine ne soit pas glorieuse. Pourquoi? À cause de la réalité présente, Christ en moi. Christ à l'intérieur de moi. Même si mon visage ne rayonne pas,
même s'il n'y a pas une nuée visible autour de nous, je ne me focalise plus sur ça. Même s'il n'y a pas de phénomène visible à l'extérieur, ce n'est pas ça mon problème. Je me focalise sur la réalité intérieure, Christ en moi. Est-ce que Christ est en toi? Comment dois-tu envisager l'avenir si Christ est en toi? Et j'ai posé une question comme un enfant. Seigneur, vous savez, quand je lis Colossiens 1, 27, voici ce que je comprends. Je comprends que la gloire est à venir, n'est-ce pas? L'espérance de la gloire. Mais Christ est en moi. Donc, il me semble, je peux comprendre comme ceci en me disant, Christ est en moi, mais la gloire c'est demain. Oui ou non? Oui. Ce dont je suis sûr maintenant, c'est que Christ est en moi. Ce dont je puis être sûr demain, c'est que je verrai sa gloire. Mais cette compréhension est dangereuse parce qu'elle me donne le sentiment que la gloire, ce n'est pas aujourd'hui, mais c'est demain. Oui ou non? Maintenant, la question. La question, c'est, admettons que la gloire, c'est demain et qu'aujourd'hui, Christ est en moi. Entre Christ et la gloire, qui est plus grand? J'ai posé une question. C'est comme si je disais, la graine d'orange aujourd'hui est un oranger demain. Non? Oui, l'oranger, c'est ce qui semble être plus important, n'est-ce pas? Parce que celui qui va grandir, qui va être visible et qui va produire du fruit, et les gens vont être bénis en cueillant les oranges. Mais toutes ces oranges et cet arbre viennent de la graine qui a été plantée en nous. Vous comprenez? De telle sorte que si je néglige la graine, si je me débarrasse de la graine, je me débarrasse en même temps de l'oranger et de toutes les oranges. C'est la gloire de Christ, n'est-ce pas? Moïse a dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pas la gloire, ta gloire. Il y a d'abord ta, et puis la gloire. Je parle comme un enfant. C'est la gloire de Dieu. Sans Dieu, il n'y a pas de gloire. Alléluia. Regardez ce que Dieu a dit à Moïse. Il lui a dit, écoute, je suis trop fâché, je parle à ma manière. Je ne marcherai pas avec vous. Mais j'enverrai mon ange devant vous. Je te promets qu'il va chasser tous vos ennemis devant vous. Mais moi-même, je ne serai pas avec vous. Admettons que Moïse n'ait pas intercédé comme il a fait, n'est-ce pas? Et qu'il ait accepté cela. Moïse serait descendu de la montagne avec la conscience que l'ange de l'Éternel est avec eux. Et il conduirait le peuple et ils vont défaire tous leurs ennemis. Tout le monde dira, waouh! N'est-ce pas? Oui. Les nations diraient, la gloire de Dieu est avec eux. Mais Moïse saurait que Dieu n'est pas avec eux. Il ne s'agit pas de désirer la gloire de Dieu plus que Dieu lui-même. Car ce que je vais le dire entre guillemets, parce que mon langage est limité pour transmettre ce que je comprends. Je dis entre guillemets, la gloire de Dieu peut se manifester sans que Dieu soit là. Mais si Dieu est là,
sa gloire finira par se manifester. Amen. Christ en nous, l'espérance de la gloire. J'aime la Bible parce qu'elle nous aide à comprendre ce qu'elle lit, parce qu'elle a dit autre chose quelque part qui va venir nous aider dans la compréhension de ce qu'elle dit ici. Il dit Christ en nous quoi? Christ en nous quoi? L'espérance. Soulignez l'espérance. L'espérance de la gloire. Et Hébreux 11 nous dit que, or la foi est une ferme quoi? Assurance des choses qu'on quoi? Qu'on espère, et une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Alléluia. Il dit la foi est une ferme assurance des choses auxquelles on espère. Alléluia. En fait, quand tu t'attends à quelque chose de manière précise, de manière concrète, si tu t'y attends de manière ferme aujourd'hui, Dieu voit dans ton cœur que tu as la foi. L'espérance de demain nous est proposée pour que nous ayons la foi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que si tu espères en la gloire de Dieu demain, si tu as l'espérance de la gloire de Dieu, n'est-ce pas? Tu dois avoir une ferme assurance aujourd'hui. Amen. De la gloire auquel tu t'y attends. Amen. Alléluia. Amen. Ainsi donc, le fait de s'attendre à voir la gloire de Dieu demain va influencer ta qualité de vie aujourd'hui. Amen. Elle va te donner la foi aujourd'hui. Christ en moi. Christ en moi, à l'intérieur de moi. Il vit en moi. Et parce qu'il vit en moi, je conçois l'avenir comme quelque chose de nécessairement glorieux. Amen. Nécessairement. Amen. Nécessairement. Alors, je prends soin de ma relation avec lui aujourd'hui. Je prends soin d'être conscient qu'il vit en moi. Il est en moi. Il n'y a pas un endroit où je puisse être seul. Parce qu'il est à l'intérieur de moi. Alléluia. Amen. Je veux te poser une question. Peux-tu te retrouver quelque part sans que ton estomac y soit? Vous riez? Vous dites, mais c'est trop bête. Oui, c'est ça. Peux-tu te retrouver quelque part sans que ton poumon y soit? Réponds. Non? Alors pourquoi tu dis, Seigneur, où es-tu? Pourquoi il arrive des moments où tu dis, Seigneur, où es-tu? Il est en moi. Amen. Alors je fais attention à ce que je fais. Je fais attention à ce que je dis. Je fais attention à ce que je pense. Certains chrétiens disent, oh, personne ne m'a vu. Non. Tu n'as pas besoin qu'on te voie. Lui, il est en toi. Il se pourrait même que tu lui fasses subir des choses terribles. Parce qu'il est dedans. Quand je suis arrivé au Maroc, j'avais un voisin qui était chrétien dans son pays. Et il faisait partie de ce que eux, ils appelaient la garde rapprochée de leur pasteur. Il avait une forte relation avec son pasteur. Tous les dimanches, il appelait son pasteur pour le saluer. Même s'il ne va pas au culte. Et vraiment, il a fait naufrage par rapport à la foi. Et puis un jour, il me disait, « Ah, si vraiment mon pasteur sait ce que je suis en train de faire ici. » Voyez-vous, il était juste pas conscient de Christ. Il a grandi dans la vie chrétienne en faisant tout par rapport à son pasteur. Mais c'est possible que le pasteur ne soit pas là. Mais ce n'est pas possible que Christ ne soit pas là. Parce qu'il est en nous. Voici la simple chose qui va faire que demain, nous pouvons ne pas voir la gloire de Dieu. Parce que nous n'avons pas compris comment la gloire fonctionne dans la Nouvelle Alliance. C'est quelque chose d'intérieur.
et de permanent par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas quelque chose d'apparent. Écoutez-moi. Quand vous allez commencer à prendre conscience de ces choses, les sorciers auront peur de vous. Amen. Amen. Parce qu'ils savent ce que vous représentez. Parce que vous êtes conscient de ce que vous représentez. Alléluia. Durant cette saison, je ne m'attends pas à ce qu'une nuée apparaisse. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Regardez. Quand la gloire de Dieu s'est manifestée dans les Actes des Apôtres, l'église de Jérusalem était une église spéciale. Elle était glorieuse, mais dangereuse. Au point que, si tu mentais, quand tu mets les offrandes, tu fais croire que c'est la totalité de ton don. On ne t'a pas obligé, n'est-ce pas? Hein? Tu as vendu ta maison à 1000 et tu viens mettre 200 et tu fais croire que c'est 1000. Non, que c'est la totalité. Dans l'église de Jérusalem, il y avait un apôtre comme Pierre. Il discerne par l'esprit que tu as menti et tu meurs sur le champ. Le jour où c'est arrivé, les gens ont dû se poser la question, est-ce que c'est encore bien la gloire de Dieu? Mais ça n'a causé aucun problème sur le plan juridique. Mais vous savez, si quelqu'un meurt aujourd'hui parce qu'il a menti par la gloire de Dieu, nous allons répondre à la police. C'est pour ça qu'il y a des choses que Dieu ne fait pas encore. Vous comprenez? On va répondre à la police. On peut même sceller là, plus de culte, surtout que ça ne leur plaît pas que nous soyons là. Alors, en attendant que Dieu fasse ça, vis dans la vérité. Vous avez entendu mon langage? J'ai dit en attendant, hein? En attendant, dites Amen. Amen. Les jours viennent où il va le faire. Amen. Mais il aura pris les précautions, soit de me préparer pour une mission en prison, soit il aura changé les lois telles que nous ayons une nullité telle que, je ne sais pas, enfin, je ne sais pas ce qu'il va faire, mais bon, voilà. Quand Moïse descendait de la montagne, on savait où se trouvait la gloire de Dieu, sur un homme. En Israël, on savait où se trouvait la gloire de Dieu, sur le tabernacle. Mais dans la Nouvelle Alliance, on sait où se trouve la gloire de Dieu. Partout où se trouve un enfant de Dieu. Oui, je parle de toi. Je parle de toi. Je parle de toi, de nous tous. Ce n'est pas Christ dans les pasteurs. Ce n'est pas Christ dans les apôtres, dans les prophètes. Parce qu'on se dit, les apôtres, les prophètes, et puis les pasteurs. Bon, peu importe. C'est Christ en nous. Alléluia. Amen. Il est le roi de gloire. Amen. Est-il en toi? Oui. Il a laissé sa gloire où? S'est-il dépouillé de sa gloire avant d'entrer en toi? Non. Il est le roi de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Aujourd'hui, je vais commencer un sujet que j'ai intitulé « Vie de gloire égale vie de victoire ». Amen. Amen. Alléluia. Parce que nous ne recherchons pas le spectaculaire, nous recherchons la réalité. Amen. Alléluia. Amen. Nous recherchons la réalité. Vie de gloire égale vie de victoire. En fait, nous allons commencer à étudier ce que la Bible enseigne sur le combat spirituel. D'accord? C'est ce que nous allons commencer à étudier durant 2-3
dimanche. Et le dernier dimanche de cette saison, nous ferons comme nous avions fait dimanche de Pentecôte. Nous aurons un culte spécial et où nous prierons pour les malades. N'est-ce pas qu'il y a eu beaucoup de témoignages? Il y a beaucoup de témoignages. Et nous allons continuer à laisser la place au Saint-Esprit pour qu'il nous fasse du bien. Alléluia. Ça, ce sera le 31 juillet. Donc, préparez-vous pour cela. Pasteur Alette et les anciens vont organiser ça. Ce sera un culte spécial qui va être long. D'accord? Tu peux choisir de ne pas venir le 31. Si ton agenda est trop chargé. Mais tu peux inviter des malades et nous allons prier pour toutes sortes de problèmes et des besoins parce que Dieu est tout puissant. Alléluia. Amen. Avant que nous ne lisions les textes qui sont là dans Éphésiens, il y a un préalable. Vous savez, Pierre nous a dit qu'aucune parole des Écritures ne doit être l'objet d'une interprétation particulière. Il est en train de dire qu'il ne faut pas tirer une conclusion à partir d'un seul passage. Mais il faut considérer ce qui est dit dans l'ensemble. Alléluia. Amen. Ce n'est pas parce que je vais choisir une nationalité qui n'est pas ici. Ce n'est pas parce qu'un malgache a volé qu'on peut dire tous les malgaches sont des voleurs. Ou bien qu'un malgache a fait du bien que tous les malgaches sont bons. Ne généralisons pas à partir d'un individu. Ne faisons pas l'induction, faisons plutôt la déduction. Partons du général vers le particulier et non du particulier vers le général. D'accord? Donc, avant de lire ce que Paul dit dans Éphésiens, lisons ce que Jésus dit. Dans Luc 10, 19, Jésus dit ceci. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Qu'est-ce que Jésus dit ici? Jésus est en train de dire que l'ennemi dans toute sa puissance ne peut pas nous nuire. N'est-ce pas? Et qu'il nous a donné autorité sur lui. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur lui. Est-ce vrai? Est-ce vrai? Voilà. Colossiens chapitre 2 nous donne une autre vérité. À partir du verset 13. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Verset 14, il a effacé, c'est au passé, l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a détruit quoi? Cet acte-là, très bien. Il a dépouillé les dominations, les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elle par... Paul nous dit ici que Christ à la croix a triomphé de toutes les puissances mauvaises, spirituelles, n'est-ce pas? Et il les a dépouillées. Alléluia. Amen. Je veux donner un exemple. Supposons que le frère Anderson soit plus fort que le frère Jean-Christophe. Et que, j'ai dit supposons, hein? J'ai dit supposons. Et que le frère Jean-Christophe soit plus fort à son tour que le frère Marco. Supposons. Il ne faut pas se fier à l'apparence. Maintenant, si Anderson triomphe de Jean-Christophe, c'est bien. N'est-ce pas? Mais après, Jean-Christophe peut se venger sur Marco. N'est-ce pas? Oui. Mais si Anderson prend la précaution, après avoir triomphé de Jean-Christophe, de le dépouiller,
Hein? Hein? Donc, s'il prend la précaution, après avoir triomphé de lui, de le dépouiller, alors Marco peut dire à Jean qui sort, qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Supposons. Vous avez compris ce que Jésus a fait? Après avoir triomphé, il les a dépouillés. Parce que Jésus connaît le caractère du diable et des démons. Quand j'étais enfant, il y a une chose que je ne comprenais pas. C'est que si ma mère me punit, dans les minutes qui suivent, je deviens nerveux. Gare à ma petite soeur ou à mon petit frère. Vous comprenez? Ouais. Et quand la minute d'après, je frappe ma petite soeur, ma mère me tape 3 fois plus. Je ne comprenais pas ça. Un jour, je dis, maman, mais il a eu tort. Et maman m'a dit ceci. C'est la colère que tu avais contre moi que tu as déversée sur moi. En fait, quand tu fais ça, je discerne. C'est comme si tu es en train de me dire, si je pouvais te le rendre. Vous vous retrouvez là. Moi, je parle de mon passé. Vous réagissez comme si c'est le présent encore. Non, c'est entre nous. Vous comprenez? Jésus sait ce qu'il a fait. Vous savez, nous les chrétiens, nous regardons ces choses comme si Christ... On n'a pas de problème à admettre que Jésus a triomphé. Mais on ne comprend pas qu'il les a dépouillés. Et où? Où? À la croix. À la croix. Regarde à quel point c'est spécial. Maintenant, pour que toi et moi fassions partie de ces choses, Dieu a voulu que nous croyions. N'est-ce pas? Pour que nous ayons la vie éternelle dont nous parlons tous les vendredis. Ça, c'est Jean 3,16. Mais il dit car. En réalité, il ne faut jamais commencer dans le par le verset 16. Parce que tu commences par car. Aucun discours ne commence par car. N'est-ce pas? Bonjour, car je t'ai tant aimé. C'est un peu bizarre. Mais il dit de même. Vous comprenez? De même. Que Moïse a élevé le serpent dans le désert, le Fils de l'homme sera élevé. Car Dieu, c'est-à-dire notre salut repose sur la foi que nous avons en réalisant que l'œuvre de la croix était la démonstration, pas que Dieu nous a aimés, mais qu'il nous a tant aimés. Amen. Et quand nous croyons en cela, nous sommes sauvés. C'est-à-dire quand nous croyons en l'œuvre de la croix, justement, l'œuvre de la croix, pour nous, veut dire le témoignage de l'amour extravagant de Dieu. Amen. Mais pour le diable, ça veut dire sa défaite totale et son dépouillement total. Donc, tu ne peux pas être un enfant de Dieu sans passer par la croix. Et le fait que tu deviennes enfant de Dieu par la croix montre que d'une part, tu es un enfant de Dieu, d'autre part, le diable ne peut plus rien contre toi. Amen. Vous recevez ça? Amen. Est-ce que c'est compliqué? C'est pour ça que, comme j'insiste maintenant, ces derniers jours, écoutez, nous savons beaucoup de choses, mais en réalité, nous ne savons pas grand-chose. Nous ne savons pas grand-chose. Arrêtons-nous, revenons sur ces textes que nous connaissons depuis l'école du dimanche. Dieu n'a pas proposé d'autres versets, vous le savez. La Bible est restée la même. Elle est restée la même. À travers la croix, Christ a triomphé et a dépouillé l'ennemi. En dehors de la perspective de la croix, le diable peut faire quelque chose. Mais dans la perspective de la croix, il ne peut rien faire. À ceux qui croient à l'œuvre de la croix, le diable ne peut rien faire parce qu'il est déchu et dépouillé. Amen. Vous allez dire, oui, je vois le diable opérer. Laissez-le opérer là où il veut.
toi, regarde à l'œuvre de la croix. Vous savez, cette affaire-là, quand Moïse a élevé le serpent, c'était aussi banal que je suis en train de vous le dire aujourd'hui. Moïse a dû prêcher. Il dit, Dieu m'a dit de faire un serpent en bronze. Vous comprenez? Et de le lever. Si tu lèves les yeux, tu ne mourras plus. Mais quelqu'un peut raisonner, vous dit, mais Moïse, tu es fou. Il y a un venin réel dans mon système sanguin. Et toi, tu me dis de regarder un métal. Moïse, tu as perdu la tête. Ça n'a aucun sens. Il refuse de regarder. Et son voisin dit, qu'est-ce que je perds à regarder? N'est-ce pas? Et le voisin lève les yeux. On peut dire, Alléluia! Je suis guéri. L'autre dit, hey, donc ça marche! Il n'y a pas une explication logique dans cette affaire. Il sollicite ta foi. Oui, le diable fait des choses ailleurs. Oui, oui, oui. Je discutais avec quelqu'un dernièrement, il me disait, mais voici, il m'a montré tel phénomène. Je dis, oui, oui. Mais nous, dans la perspective de la croix, nous savons qu'il est dépouillé. Crois seulement. C'est pour ça qu'il dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras. N'attends pas de voir d'abord. Crois, ça fonctionne comme ça. Dans la perspective de la croix. J'allais donner des témoignages, mais ça va me prendre du temps. Croyez en la parole. Amen. Mes expériences sont mes expériences. Toi, si tu dois en avoir. Amen. Alléluia. Amen. Vous avez compris le préalable? Maintenant, nous allons lire ce que Paul dit. Commençons par Éphésiens chapitre 6. Versets 10 à 13. Au reste, le temps passe trop vite. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Il dit fortifiez-vous. Quelqu'un dit, Seigneur, donne-moi la force. Paul dit, fortifie-toi, toi. Seigneur, donne-moi la force. Il dit, fortifie-toi. Amen. Seigneur, donne-moi à manger. Va à la cuisine, prépare un repas. Alléluia. Amen. Va à la cuisine. Il a déjà pourvu dans ta garde à manger spirituelle. Mais c'est des aliments frais et crus et bio. Mais tu dois faire la cuisine. Ça implique que tu dois être patient et tu dois savoir cuisiner. Tu dois savoir cuisiner la parole de Dieu. Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. J'aime beaucoup ça. Il dit, pour vous fortifier, vous devez puiser dans le Seigneur, dans les sources de sa force qui sont toutes puissantes. J'aime ça, pourquoi? Parce que c'est comme si je reviens à mon exemple. Supposons que Marco était le moins fort, n'est-ce pas? Et que Jean-Christophe est plus fort que lui. Et qu'Anderson est plus fort que Jean-Christophe, donc plus fort que Marco. Et que Marco veut enfin se venger de Jean-Christophe. Vous voyez, ça se tourne maintenant à ton avantage. Et on dit à Marco, puise ta force dans Anderson. Vous comprenez? Tu as besoin de la force, puise dans la toute puissance. Puissance. C'est comme si tu avais besoin de 1000 et Dieu te dit, va dans mon coffre, prends ce qu'il faut. Et quand tu ouvres le coffre, il y a 1000 milliards. Pas de 1000 sabords. Oh,
Vous comprenez? Mais tu dis, mais Seigneur, j'ai besoin de 1000. Prends la quantité de force que tu veux. Je suis ému moi-même. Je suis ému. Je suis ému par la bonté de Dieu. Dieu est trop bon. Est-ce que vous ressentez ça? Mais regardez, les gens vont prendre cette même portion. Ils vont aller vers là où nous allons. Mais ils sautent les préalables. Regardez, là nous avons vu le verset 10. Regardez le verset 11. Le verset 11, il dit, revêtez-vous de quoi? Êtes-vous sûr d'avoir compris? Revêtez-vous de quoi? Êtes-vous sûr d'avoir compris? Paul dit deux choses. Il dit, revêtez-vous d'une arme de Dieu. Et deuxièmement, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Alléluia. C'est comme s'il te dit, prends une bombe nucléaire pour affronter l'ennemi qui vient avec un couteau. Je dis, Seigneur, un Kalachnikov, ça suffit. Il dit, non, il faut agir de manière à ce qu'il disparaisse. Qu'il ne nuise plus à quelqu'un d'autre. Josué avait compris ça. Écoutez-moi, Josué avait compris. Dieu a montré à Josué comment renverser la muraille de Jéricho. Mais Josué a complété. Il a dit, celui qui osera élever cette muraille, il posera les fondements au prix de son premier-né et il mettra les portes au prix de... Dieu a dit à Josué, lui a montré comment Israël pouvait opérer par la foi pour renverser la muraille de Jéricho. Mais tu sais, quand tu connais Dieu, tu sais quoi faire avec ce qu'il te dit. Parce que tu connais son caractère. Tu vas beaucoup plus loin avec une simple phrase. Josué dit, je connais Dieu. Quand il renverse une muraille, il ne veut pas que quelqu'un d'autre la rebâtisse. Parce que c'est tant mieux pour nous aujourd'hui. Mais il faut que la génération prochaine, toutes les autres générations, n'aient plus à combattre les combats que nous avons combattus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, il ne s'agit pas de chasser un petit sorcier de ta famille. Non, il s'agit de purifier l'atmosphère de toute une ville. Amen. D'acheter les problèmes d'autres familles. Amen. Il s'agit de ça, mes amis. Parce que nous avons trop reçu. Il s'agit de ça. Si un démon qui t'a fatigué, qui t'a donné de l'insomnie, il s'agit toi-même d'abord de retrouver le sommeil, de faire en sorte que dans un rayon, toi-même, tu détermines que plus personne n'ait jamais ce problème. Il a dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là, mais jette-toi dans la mer. Mais nous avons la foi pour dire à la montagne, bouge seulement ici, s'il te plaît, moi je veux passer. Et puis tu passes, mais quand il est là-bas, il va gêner quelqu'un d'autre. Jésus dit pas ça. Il dit que cette montagne qui te gêne, ne te gêne plus et qu'elle ne gêne plus jamais personne. Amen. Il s'agit de ça. Toutes les armes de Dieu. Moi, je sais qu'une seule arme de Dieu suffit. Mais je vois qu'il me dit de tout prendre. David a pris combien de pierres dans le torrent? Il a utilisé combien? Amen. Mais il a tout pris. Et si vous étudiez bien la vie de David, vous allez comprendre qu'il s'est servi de ces quatre autres pierres dans d'autres séquences de sa vie. Et là, ce n'était plus pour vaincre un Goliath,
mais c'était pour faire des choses plus grandes. Verset 12, il dit « car ». Et souvent quand on parle du combat spirituel, on commence par « car ». Où est le problème? On commence par le verset 12. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants qui sont où ?» Dans les lieux célestes, soulignez ça, ils sont quelque part. Et il dit, c'est pourquoi prenez, il recommence, hein, toutes les armes de Dieu dans quel but? Afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et après avoir tout surmonté. Oh, comment je vais faire pour avancer? Paul est en train de nous dire, le combat spirituel est une réalité, la guerre spirituelle est une réalité. Il y a des entités spirituelles qui sont méchantes, mais qui sont bien organisées. C'est une armée bien organisée qui a à son plus bas échelle des esprits méchants. Vous savez, la méchanceté, c'est la plus petite stratégie de l'ennemi. Si vous pensez que le diable vous combattra toujours de front, vous vous êtes trompé. Si vous pensez qu'une sorcière doit être moche, vous vous êtes trompé. Si vous pensez qu'un sorcier ne peut pas être intelligent, vous vous êtes trompé. Quelqu'un peut être tigré à 18 épingles et parler le français de Molière à l'anglais de Shakespeare et avoir une apparence de douceur, de raffinement, mais être vraiment un diable qui travaille contre toi. Il n'est pas apparemment méchant, ma soeur, mais attention, mon frère. Je parlais à un papa qui a beaucoup d'expérience, qui vient de recevoir le Seigneur, et qui s'est rendu compte que dans sa carrière, il était entouré d'amis qui étaient des pratiquants d'occultisme. Et sa femme était en train de lui dire, cet ami-là, je ne le sens pas. Il dit, non. Et un jour, quand il est sorti de son bureau, ce jour-là, il a travaillé jusque tard. Et en descendant du bureau, les gardiens de l'entreprise, parce que ce monsieur est quelqu'un de gentil, de généreux, il était l'un des rares cadres de cette entreprise à serrer la main aux gardes, aux sentinelles, et de temps en temps, il leur donnait des pourboires. Et un jour, quand il est descendu, un gardien l'a vu, il a dit, chef, tu sais, nous t'apprécions beaucoup, mais s'il te plaît, arrête de fréquenter tel directeur. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, ils ont des consignes de sécurité, n'est-ce pas? Si à partir d'une certaine heure, les lampes d'un bureau ne sont pas éteintes, il faut aller voir. Parce qu'il y a eu des cas où le monsieur avait fait une crise cardiaque, des choses comme ça. Donc ils ont des consignes de sécurité. Et un jour, vers 1h du matin, il voyait que la voiture de ce cadre-là était toujours là. Il n'était pas parti. Et sa lampe était allumée. Mais la consigne de sécurité dit à partir d'une certaine heure. Quand cette heure est arrivée, ils ont des clés passe-partout pour forcer n'importe quelle porte. Et ils ont ouvert, oh mon Dieu, ils ont trouvé le monsieur en transe, sans vêtements. Il était tellement en transe que vous lui parlez, il ne vous reconnaît pas. Et c'était l'ami de ce monsieur. Et quand je parlais à ce monsieur dit, mais non. Un sorcier ne peut pas être aussi raffiné comme ça. C'est juste ne pas comprendre les choses. Ouais, vous comprenez à quel point il était bon que je lise les premiers versets, parce que là, vous commencez à avoir peur. Il fallait nous montrer les préalables de notre position de victoire en Christ à travers la croix.
Mais par-dessus cela, nous devons comprendre que nous avons affaire à un ennemi organisé et qui a des desseins méchants contre nous. Mais il n'agit pas seulement par le front, par la méchanceté, mais il procède aussi par la ruse. Il vient avec des lois qui semblent normales. Il dit, mais respecter la liberté des gens, n'est-ce pas? Les gens ont le droit d'être homosexuels. Et c'est cohérent, intellectuellement calé. Et puis vous acceptez. Dès que vous votez la loi, vous avez ouvert la nation aux entités spirituelles des dominations. Tu sais, un esprit méchant s'attaque à des individus. Mais une domination, non. Une principauté, non. Non, un prince règne sur un territoire. Vous comprenez ça? Est-ce que vous comprenez ça? Pourquoi je vous parle comme ça? Parce qu'il y a beaucoup de cadres de nos nations ici. Les étudiants qui sont ici. Ne dites pas seulement amen pour le poste et l'argent que vous allez avoir. Mais c'est pour la responsabilité que vous allez occuper. Amen. Pour être des sentinelles des villes, des amen. Sentinelles de nations. Amen. Quand il y a un débat au Parlement, tu dis, le gars là, c'est un docteur en droit. Mais là, je discerne un esprit malin qui parle en lui. Amen. J'ai chassé les démons d'une fille qui n'est pas allée à l'école. Elle avait 13 ans. Elle est venue tout droit du village. Elle ne sait ni lire, ni écrire. Vous comprenez qu'elle ne sait pas parler français, n'est-ce pas? Mais quand on a commencé à chasser les démons, mon Dieu, le français qui est sorti de sa bouche. Mais elle pouvait nous donner une leçon de français. Et il y a des gens comme ça qui impressionnent le monde. Mais vous ne savez pas que là, ce n'est plus l'homme qui parle. Mais si tes radars sont aiguisés, tu sais. Tu sais que là, ce n'est plus l'homme. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Surtout les esprits de séduction. Mes soeurs. Quand le monsieur là, parce que ce n'est pas un frère, ça ne peut pas être un frère. Quand le monsieur là s'ouvre à des esprits de séduction, mais il va te dire une phrase, tu perds le sommeil. Tu es comme ça. Tu rêves de lui. Tu es séduit. Regardez, quand le serpent a parlé à Ève, la Bible dit, après le discours du serpent, elle va regarder le fruit qu'elle regardait avant. Et elle a vu soudain que le fruit était agréable à la vue et bon à manger. Mais c'est le fruit qu'elle voyait, depuis longtemps. Mais la séduction est quelque chose qui entre dans ta conscience et qui change ta perception des choses. Ça change ta perception. C'est quelque chose qui entre en toi. Et ce qui est bleu pour tout le monde devient rouge pour toi. On dit c'est quoi? Tu dis rouge. On dit non c'est bleu. On dit non c'est rouge. Vous riez? Mais ils sont dans les églises. Comme des pasteurs. Ils opèrent avec l'esprit de séduction. Ils peuvent te persuader. Il peut te parler, il te cuisine, Tu rentres dans ta maison, tu lui dis, tu ne veux plus de ta femme, tu ne veux plus de tes enfants, tu vends ta maison, tu donnes tout à l'église. Il t'a cuisiné. Non, pardon, ne dis pas mais. Pardon, mais je ne peux pas laisser ça comme ça. Pourquoi? Parce que les chrétiens, quand ils parlent, ils pensent combat spirituel, ils se limitent aux esprits méchants. Oh Dieu! Ils ne comprennent pas qu'il y a des entités supérieures qui ne visent pas les âmes, mais ils visent à mettre en place des structures, des procédures de contrôle qui vont rester là de génération en génération. Ils n'ont rien à faire avec une âme. Non,
le combat est trop petit pour lui. Il vise le long terme. Et ces gens-là, ils sont habillés en veste et cravate. Ils sont raffinés. Ils semblent ne pas être méchants. Ils sont dans des œuvres caritatives. Ils prêchent l'humanisme. Ils pratiquent le monde. Mais c'est là-bas où ils recrutent, à travers des soi-disant bonnes œuvres. Mais vous savez quoi? Paul nous dit, nous n'avons pas à... À quoi? Ça veut dire quoi? Mais, contre, ça veut dire que nous devons lutter. Maintenant, la question. Je n'ai pas beaucoup de temps, je vais m'arrêter. La question. Que veut dire lutter? Si nous avons affaire à un ennemi dépouillé. Je répondrai le dimanche prochain. Je vais continuer. Pardon. Il dit... Afin, la fin du verset 13, afin de pouvoir résister quand? Dans le mauvais jour. Première information, c'est que le mauvais jour arrivera. C'est une promesse. Dites Amen. Amen. Le mauvais jour n'est pas un problème. Amen. Mais c'est la manière dont on s'y prépare. Qui importe. Hier, je disais avec les amis à la maison combien, waouh, l'hiver est passé. Il commence à faire chaud, mon Dieu, combien c'est magnifique. Je me sens bien. Le froid, c'est compliqué. Et si jamais ma foi grandissait au point que je prie, Seigneur, fais que l'hiver n'arrive plus. Serais-je exaucé? Pourquoi? Il a dit tout ce que vous demanderez à mon nom. Mais tout, c'est tout. Non? Alors, pourquoi vous pensez que je ne serai pas exaucé? Parce que Dieu lui-même a juré que la loi de moisson et de semailles ne passera pas. Les jours et les nuits ne passeront pas. La succession des saisons ne passeront pas. Donc, la prière n'a pas le droit de s'opposer à la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça que Jean complète. Le même Jean, je vous l'ai dit, non? Le même Jean qui nous avait dit que tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il nous a montré le secret de la puissance de Jésus dans l'évangile de Jean. Mais plus tard, quand il a écrit les épîtres, il a dit, Seigneur, je dois compléter le message. Parce qu'il a vu des dégâts. Ce que les gens ont fait, soi-disant avec ce qu'il a dit, qui venait vraiment de Dieu, il dit, nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons une chose quelconque, selon sa volonté, il nous écoute. Et s'il nous écoute, nous savons que nous avons possédé ce que nous lui avons demandé. Donc, je ne dois pas prier pour que l'hiver n'arrive pas. Mais je peux me parer contre ce mauvais jour. Je peux prier pour avoir le moyen de me couvrir de la meilleure façon. Je peux prier pour avoir le moyen d'avoir un bon chauffage et les moyens de payer les factures qui vont avec. De telle sorte qu'hiver ou pas hiver, il n'y aurait pas de problème. Vous comprenez? Il dit le mauvais jour va arriver. Mais prenez toutes les armes de Dieu. Et puis il dit, afin de tenir ferme, quoi? Après avoir tous... Voilà comment les héros tombent. Parce qu'ils ont la foi pour vaincre, mais ils n'ont pas la foi pour rester des vainqueurs. Il est une chose que de remporter une bataille. Mais il est une autre chose que de rester dans la position de vainqueur. Après avoir tout surmonté, posez la question à Samson.
Il a tué 3000 soldats avec une mâchoire d'un âne. Mais juste après cette victoire, il a failli mourir de soif. Et s'il n'avait pas prié Dieu, on viendrait sur le champ de bataille et on verrait 3000 soldats morts et un vainqueur mort aussi. Posez la question à David. La seule fois, après avoir maté l'ennemi, où il s'est permis de rester à la maison. Mon Dieu, le diable a frappé fort. Le venin est entré dans sa famille. C'est ce qui arrive à beaucoup de champions. Ils chassent des démons partout. Mais le diable vise leur famille. Et ça, c'est terrible. Terrible. Après avoir tout surmonté. Maintenant, si vous êtes sérieux, si vous prenez la parole de Dieu au sérieux, vous comprenez qu'il y a beaucoup de sujets dans ce texte. Vous me regardez comme ça. Vous pensez que je vais parler de tout ça? Mais non. La Bible t'a été donnée pour que tu la médites. Amen. Amen. Après avoir tout surmonté, voici la dernière chose que je veux vous dire aujourd'hui. Il dit que ces entités spirituelles se trouvent où? Elles se trouvent où? Vous êtes sûr? Vous avez vu ça où? Hein? Vous avez vu ça où? Vous commencez à douter. Dans le verset 12, merci ma soeur, dans le verset 12, ils sont dans les lieux célestes, point. N'est-ce pas? Nous sommes dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Et Paul a utilisé ce mot « lieu céleste » abondamment dans Éphésiens. Commençons par la première allusion. Éphésiens 1, 3. Éphésiens 1, 3, il nous dit, on peut même le réciter, n'est-ce pas? Vous savez que c'est un de mes versets préférés. Et le vôtre aussi? Oui. Non? Béni soit Dieu qui nous a dans les lieux célestes. Point. Est-ce qu'il y a un point? Non. Il y a quoi? Donc il y a lieu céleste et lieu céleste en Christ. Amen. Regardez, dans les lieux célestes, il y a ces entités-là. Mais dans les lieux célestes en Christ, il y a quoi? C'est magnifique. Ma question maintenant, quel genre de lieu céleste tu fréquentes? Hein? Je suis allé dans les églises où prophétie rime avec détection des sorciers. Prophétie rime avec un danger qui arrive. Attention, attention, je vois un feu, je vois un feu. Après, je vois un trou, je vois un virage, je vois une corne. C'est le genre de lieu céleste que toi tu fais. Avec moi, lieu céleste en Christ. C'est là où je me trouve. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Là-bas, il n'y a pas de combat. Là-bas, on va pour se réjouir. Mais quand on descend d'un cran dans les lieux célestes, là, on sort. Regardez un militaire qui prend son fusil. Il prend son fusil, je te bénis fusil, parce que c'est toi qui me fais du bien. Le fusil ne te fait pas du bien. Un fusil, c'est pour ton ennemi. Ça te sert qu'à te protéger. Mais après t'être protégé, tu as des besoins. Pas vrai? Et c'est là où la bénédiction est utile.
Alléluia. Amen. Amen. Oh yes. Amen. Verset 20. On est dans Éphésiens 1, verset 20. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite. Où? Meilleure virgule. Au-dessus. Qu'est-ce qui suit après? Au-dessus. Lisez, pardon, lisez. C'est important pour nous. Au-dessus. De toute domination. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom. Non seulement, mais encore. Là maintenant, Paul nous parle de Christ. Qui a été couronné à la droite du Père dans les lieux célestes. Mais attention, son lieu céleste à lui est au-dessus. De ce lieu céleste où il y a ses... Vous voyez déjà la position de Christ? N'est-ce pas? Il y a la terre où nous sommes. Il y a les lieux célestes où sont... Où est le diable et son armée, il y a le lieu céleste où Christ règne. Et il est au-dessus. N'est-ce pas? Ça, c'est Christ. Maintenant, quelle est mon histoire? Quelle est ton histoire dans cette affaire? Est-ce que tu veux le savoir? Verset 5. Éphésiens 2, 5. Nous qui étions morts par nos offenses, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscité et nous a fait asseoir ensemble où? Dans les lieux célestes. Point. En Jésus-Christ. Où es-tu? Dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Tu es assis où? Dans les lieux célestes. Et le lieu céleste en Jésus-Christ, c'est où? Au-dessus. Ah, bravo, acclamé pour vous. Amen. Et c'est là-bas où nous sommes bénis, c'est là-bas où nous nous fortifions dans le Seigneur par sa force toute puissante, c'est là-bas où nous prenons toutes les armures de Dieu, après quand nous descendons, il a chaud. Amen. Hein? Maintenant, toi et moi en tant que chrétiens, quand nous pensons à Éphésiens 10, nous pouvons dire, nous devons lutter contre les esprits méchants. Non. Bien, tu veux dire, nous pouvons lutter contre les esprits méchants. Tu as compris? Est-ce que tu as compris? Nous devons lutter contre les esprits méchants. Nous devons lutter. Je vais vous montrer deux dernières choses. Quand tu n'as pas bien compris l'évangile, comment je vais expliquer ça? Lui, il est au-dessus de lui, n'est-ce pas? Hein? Celui qui est en bas, qu'est-ce qu'il voit? Il voit d'abord ça, n'est-ce pas? Et celui qui est en haut, qu'est-ce qu'il voit? Mais non, tout dépend de la révélation de l'évangile que tu as. Si tu penses que tu es en bas, tu es conscient des esprits méchants. Mais si tu penses que tu es en haut, tu es conscient de quoi? Non, tu es déjà en Christ, mais tu es conscient de... Qu'est-ce que tu vois? Quand tu considères l'adversité, qu'est-ce que tu vois d'abord? Je ne vous demande pas d'imaginer, ce n'est pas ça mon but. Éphésiens 10, 6, verset 12, il dit... Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre quoi?
les dominations. Vous comprenez? Comment je vais expliquer ça? C'est-à-dire, admettons que l'armée de l'ennemi soit organisée, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Donc il y a les généraux jusqu'au... Au qui? Est-ce qu'on dit caporaux? Okay. Parce qu'il y avait les halles là parfois. Je ne veux pas dire quelque... des choses qui sont... Non. Ça va. Maintenant, quand tu te regardes comme quelqu'un qui est en bas, tu combats les caporaux. Mais tu tues un caporal, le général en envoie. Tu tues un caporal, le général en envoie. Tu tues un caporal, le général en envoie. Mais quand tu comprends que tu es assis en Christ, toi tu es conscient de généraux. Quelqu'un a déjà joué aux échecs? Tu tues un soldat, la guerre continue. Tu tues le tour, la guerre continue. Quel que soit le pion que tu tues, la guerre continue. Même si tu tues la reine, la guerre continue. Mais si tu tues le roi et que tous les soldats sont là, la guerre s'arrête. Amen. Vous comprenez ça? C'est pour ça qu'on va de combat en combat interminable. Parce que nous combattons les conséquences. Nous n'avons aucune conscience des racines du problème. Je parle à quelqu'un? Ça, c'est un condensé de 20 ans de questionnement dans l'évangile parce que je viens de deux familles expertes en sorcellerie. Je ne parle pas de mon père et de ma mère, attention. Mais nous étions acculés de toutes parts. Mais maintenant, ça fait longtemps que moi je m'occupe des problèmes familiaux. Je m'occupe des problèmes nationaux. Amen. Mais oui. Mais oui. Si on a un bon gouvernement, la population va être soulagée. Mais si tu triomphes familialement et que le gouvernement est mauvais, on finira par subir. Voilà là où l'Église échoue. L'Église donne des bonbons aux chrétiens. Crois au Seigneur Jésus et tu auras une voiture. Crois au Seigneur Jésus et tu auras une maison. Mais c'est quoi ça? C'est banal ça. Tu peux construire une maison et puis il y aura la guerre. Un obus tombe et ta maison est finie. Regarde, Jésus dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Regardez sa dimension. Amen. Regardez sa dimension. Mais il ne parlait pas aux gens qui avaient des doctorats. Il ne parlait pas aux gens qui étaient dans le gouvernement. Il parlait de 11 personnes qui étaient sans instruction. Et il leur dit, tout pouvoir m'a été donné dans les cieux sur la terre. Allez discipliner les nations sous mon autorité. Voilà la dimension dans laquelle Christ a laissé l'Église. Nous avons des réponses. Et avant que Jésus ne revienne, l'Église va changer beaucoup de choses et puis nous allons partir. Amen. Vous savez, l'un des problèmes, selon moi, pour lequel l'Afrique n'avance pas, c'est que quand il faut s'opposer à l'injustice, l'Africain dit, si je me lève, je veux mourir, qu'est-ce qui va advenir de ma famille? Et le tyran joue avec cette peur. Mais après, il reste en vie et sa famille, mais il continue à subir, subir, à subir. Ailleurs, les gens ont préparé leur famille. Leur ont dit, ce que je veux faire, ce n'est pas sûr que je vais revenir. Mais dans deux générations, vous comprendrez. Dans deux générations, on va déclarer cet ancêtre héros national. Et vous serez honoré. Pourquoi? Parce qu'on dira, si le pays a pris la bonne direction, c'est parce qu'il y a des gens
qui n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Tu crois la puissance du sang? Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Ça s'arrête là? Non. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Comme je vous dis humblement, je vous le dis humblement, parce que le Seigneur me dit, vous avez dans 2 Corinthiens 3, Paul a dit quoi? Cette assurance nous vient de Dieu. Donc quand je parle comme ça, c'est parce que cette assurance nous vient de Dieu. Vous avez une église comme ça, mais il y a 14 ans, j'ai pris un risque mortel. Mais je ne suis pas mort. Cette dame a tout perdu pour m'épouser. Mais elle a gagné beaucoup plus. Nous avons gagné beaucoup plus. Alors écoutez Jésus. Écoutons Jésus, s'il vous plaît. Écoutons Jésus. Écoutons Jésus. Il dit, il n'y a personne. Il a juré. Il dit, il n'y a personne qui aura quitté à cause de moi et de l'évangile. Père, mère, enfant, terre, tout ce qui... Ce n'est pas possible qu'ils ne reçoivent pas au centuple dans le siècle à venir avec les persécutions. Vous savez, mais il y a un niveau de vie. Quand tu y entres dans ce niveau-là, les persécutions deviennent un détail. Si tu es tellement comblé, tellement heureux, c'est à peine que tu es persécuté. Vous comprenez? C'est pour ça que l'ennemi ne veut pas que nous soyons conscients d'où nous sommes. Parce que si nous le regardons d'en haut, nous allons combattre les conséquences. Mais si nous prenons conscience d'où nous sommes assis en Christ, nous allons combattre les dominations, les causes, les racines. Alléluia. Mais pourquoi tu entends ce message? Parce que Dieu a confiance en toi. Amen. Il te regarde comme quelqu'un d'important. Amen. Qui peut triompher sur les dominations. Amen. Pas seulement sur les esprits méchants. Il n'y a aucune gloire à chasser un démon. Regardez, ils sont venus disant, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Mais Jésus dit, mais je voyais Satan tomber du ciel comme d'un éclair. Pas les démons, Satan lui-même. Amen. Vous comprenez? Amen. C'est tout à fait normal que les démons ne puissent rien contre nous si Satan lui-même est vaincu, n'est-ce pas? Voilà, il veut les placer là. Mais il dit, réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les livres. Parce que certains diront, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé par ton nom? Jésus a dit, retirez-vous de moi. Gens d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. Ce que Christ a fait pour nous est extrêmement glorieux et puissant. Alléluia. Amen. Comme conclusion, nous allons lire un dernier passage. Éphésiens chapitre 2. C'est notre conclusion. Chapitre 3. Versets 8 à 10. C'est notre conclusion aujourd'hui. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été annoncée, accordée, d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière quelle est la dispensation du mystère caché de tout temps en Dieu qui a créé toutes choses, afin que les dominations et les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui, par qui? Par l'Église. Quoi? La sagesse et le pouvoir de Dieu. Ça va être un combat sagesse contre sagesse. Quand ils veulent mettre en place un système bien pensé, nous le combattons par une sagesse supérieure. Amen. Amen. Il y aura parmi nous des gens qui vont tuer les Goliaths. Et quand ils auront fini leur boulot, le reste de l'armée va aller tuer les petits soldats, les esprits méchants. Choisis où tu veux te placer.
Alléluia. Amen. Commençons à rendre grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends grâce à Dieu pour l'œuvre de la croix. Rends grâce à Dieu pour le Seigneur Jésus-Christ qui, à la croix, a triomphé de l'ennemi et l'a dépouillé. Il a livré publiquement en spectacle toutes les preuves qui parlaient contre toi et moi ont été annulées à la croix. N'est-ce pas une bonne nouvelle et un sujet d'action de grâce? Seigneur, nous apprécions ce que tu as fait et nous te remercions de l'avoir consigné de manière si claire dans les Écritures. Et nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous éclaire afin que nous comprenions l'ampleur de ce que tu as fait à la croix. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous donne la foi pour croire et pour accepter ce que tu as fait. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui nous révèle ton œuvre merveilleuse à la croix. Alors nous voulons te bénir et te bénir. Nous te rendons grâce pour la communion que nous avons avec toi en Jésus-Christ. Nous te rendons grâce parce que tu nous as fait asseoir en lui, à ta droite, dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute principauté, de toute autorité, de tout esprit méchant. Nous te rendons grâce parce que nous ne sommes pas de ceux qui subissent l'ennemi, mais nous sommes de ceux que l'ennemi subit. Alléluia. Nous te rendons grâce, nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce parce que tu nous as suscité afin que le monde puisse voir ta sagesse infiniment variée. Et nous te rendons grâce parce que tu fais confiance en chacun d'entre nous. Seigneur, si le monde voulait faire de choses importantes, je ne pense pas qu'il y aurait quelqu'un ici qu'on appellerait. Ô Seigneur, le monde nous regarde comme des gens sans valeur, comme des personnes qui ne comptent pas, et pourtant tes yeux sont sur nous. Et les choses les plus importantes que toi tu veux faire, pour cela tu penses à nous. Quel honneur! Quel privilège, quelle grâce, quelle bénédiction. C'est pour cela que je me lève et je dis, j'ai de la valeur à tes yeux. Peu m'importe combien on me regarde dans ce monde, je sais que je compte pour toi. Je sais que j'ai du prix à tes yeux. Je sais que je suis une personne de choix pour toi, pour faire les choses les plus importantes. Pas des choses temporelles, pas des choses passagères, mais des choses éternelles. Alors je dis, me voici, je viens. Me voici, Seigneur. Je viens. Je viens. Car je sais que ce n'est ni par la force, ni par ma force, ni par ma puissance. Mais c'est par ton esprit. Et ce que tu as prévu de faire avec moi, tu le feras. Personne ne pourra t'empêcher que moi-même je ne t'en empêche pas. Alléluia. Alors présente-toi au Seigneur. Yeah.
Comme des instruments, d'accomplissement de ta volonté.